âprement disputé. Voici enfin arrivé le moment tant attendu. La grande finale du tournoi de squash du club sportif Rive-Sud! Finaliste l'an dernier, la vedette montante du club de Brossard, Alex de Bomb Beaulieu! Ah ouais, Alex, splendide! Elle a janté! Pas trop l'esprit sportif, les gars. Champion en titre depuis 11 ans! Vous le connaissez bien, il vous a tous déjà battu. Mesdames et messieurs, Paul Pilato! Ah ouais, Paul, on crée une volée! Hey, regarde bien le trophée une dernière fois, man. Parce qu'après ce game-là, tu le reverras plus jamais. C'est vrai que quand j'ai commencé à jouer au squash, mon petit gars, là, t'étais même pas un atome dans l'univers. Hein? Laissez-le respirer un peu. Ça va, Polo? Aïe, ça fait mal en temps. Mais ça fait rien. Toi puis moi, tout de suite sur le terrain. Ben ouais, c'est ça. Puis tu vas jouer comment, la finale en chaise roulante électrique? Paul, qu'est-ce que tu racontes? T'étais pas en état de jouer, là. Tu devrais aller à l'urgence. Bon, les gars, là, hein? Si je suis pas sur le terrain, dans deux minutes, je perds par défaut. Je laisserai pas ce petit trou de cul-là, là, sauver avec mon trophée. Hein? Faut savoir quand ça vaut est vaincu. Hein, vieux? Faut aussi savoir quand se fermer la gueule. OK, regarde, là. Tu le veux, mon trophée? Ah ouais. Viens chercher. Viens chercher si t'es capable. Ah ouais. Ah! Paul! Tiens-moi. Il y a peut-être une autre solution. La meilleure façon de savoir qui de nous deux est vraiment le meilleur, c'est de finir la partie, hein? Je me fais soigner le dos, puis on finit ça dans une semaine. Ah, moi, j'ai rien contre. Gagner par forfait, c'est pas très glorieux, hein? Surtout pour un athlète super cool comme toi. Ouais, OK. On fait ça samedi prochain. Mais je te préviens, le has-been, ça va être laite. Ça va être laite pour toi, mais... Attention. OK, vous pouvez y aller, là. Je vais être correct. Inquiète-toi pas, mon polo. On va s'occuper de toi, puis tu vas me le gagner, ton match. On va rouler lentement, hein? Je vais faire attention aux nids de poules. Hey, les gars, vous savez pas ce qui m'arrive, hein? Mais là, on a une petite idée, ouais. Non, vous savez vraiment pas ce qui m'arrive. Mais là, Paul, on était là. J'ai pas mal au dos. J'ai fait semblant. J'ai jamais eu mal au dos. Ah, je sais, j'aurais pas dû, là, mais... Quand je me suis aperçu que le petit Chris est en train de me battre, là, j'ai friqué. Ben voyons, Paul, ça se fait pas, ça, c'est triché, ça. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, moi? J'avais beau tout essayer, le petit bum, il m'en tournait toutes mes balles. Génial. Diabolique, là, mais génial. Ils m'ont sorti en civière, ils m'ont donné les premiers soins. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, moi? Fallait que je joue le jeu, je t'ai fait. Hey, j'avoue tout, je perds la face. Je joue pas mon match, je perds la face aussi. Puis mon titre. Puis mon argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je pourrais me lever très tôt, puis m'entraîner tous les matins. M'entraîner une autre deux heures quand je reviens de la job. Puis samedi prochain, là, je vais tellement lessiver la petite face à claque, là,
qui va pleurer pour trouver l'utérus de sa mère. Voyons, non, c'est pas en une semaine que tu vas le battre. Non, non, ça peut marcher. Aujourd'hui, je l'avais pas, là. J'étais à bout de souffle. J'étais pas en forme. On commence demain. Yes. Pas un mot à personne. Surtout pas Lucie. Oh, mon pauvre ourson, tu fais tellement pitié. Tiens. Je peux-tu faire autre chose pour toi? Comment ça va, Mettin, là? Ça va bien. C'est encore un peu raide. T'aimerais-tu ça que je te serve ton petit déjeuner au lit, mon amour? Oh, je suis sûrement le gars le plus chanceux du monde, là. On m'occupe de ça. Avec ma Kiro, là, vous attend. OK. On va faire attention. Oui, doucement, les gars. Pas besoin d'en rajouter, de Niro. Ton nouveau coach de squash. Mon quoi? Deux fois champion du monde, entraîneur de l'équipe roumaine pendant 10 ans. Tu veux redevenir champion? Puis moi, ben, faut que je protège mes investissements. Fait que j'ai appelé mon grand chum Hans, puis il est prêt à te prendre en main. Ça va, mon polo. On va leur montrer de quoi qu'on est capable. Renaud, tu comprends pas. L'affaire est dans le sac. Il y a une technique révolutionnaire, une discipline d'affaires. Puis en plus, ben, j'ai réservé un cours dans un club de squash privé. Fait que tu vas pouvoir t'entraîner, puis personne va savoir que t'es pas vraiment blessé. Renaud, il faut que je te dise. Polo, laisse faire. Tu me remercieras plus tard. L'important, c'est quoi? C'est quoi? C'est quand tu gagnes. Coudon, combien t'as gagé, toi? Les gars, on oublie le squash, là. On s'en va vraiment chez la Kiro. J'ai vraiment le dos barré. Mais... Ah! Ça fait bien moins mal. Ah oui. All right! Allez, let's go, Paul. On a déjà perdu 20 minutes de temps de court, puis lui, là, il me coûte une beurrée de l'air. Pas si vite, M. Bilodeau. Aucun sport violent. Ah, mais le squash, c'est pas violent. Non, 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 la balle est petite, petite, puis molle, molle, molle. Plus de squash, rugby, hockey, football, basketball, golf. Golf? Repos complet. Et je veux vous voir ici 3 séances par semaine. Pour commencer, après, on verra. C'est parce que... bonjour. Vous comprenez pas, là. C'est parce qu'il doit jouer une grosse, grosse, grosse partie dans 6 jours, et puis... Votre dos est très fragile. Une subluxation de la 21e vertèbre non traitée peut entraîner de graves conséquences. Mais là, moi, je suis un athlète. Moi, c'est connu que les athlètes récupèrent rapidement, fait que... Pas à 40 ans. Le corps vieillit plus vite que l'esprit, M. Bilodeau. Sport ou pas, même en faisant rien, à votre âge, vous allez vous rendre compte que vos os, muscles et articulations commencent à vous faire mal. Parfois sans raison. Même à des endroits où vous n'avez jamais eu mal auparavant. Sauf au lit. Mais là, je parle pour moi, évidemment. Au moment où on se parle, messieurs, vos disques intervertébraux se compressent. Vos articulations s'usent. Votre masse musculaire diminue. En vieillissant, il faut ralentir les activités. Là, moi... Je fais quoi, là, moi, là? J'ai un match à gagner, moi, là. C'est la vie, M. Bilodeau. Même les athlètes vieillissent.
Merci. Tournoi de squash pour moi, c'est fini. Tiens, Frankenstein marche. Jack l'éventreur, c'est juste un pauvre jeune qui paye pas ses contraventions. Ça m'étonne pas. C'est justement ce pauvre jeune-là, là, qui m'a donné mal au dos au tournoi hier. T'es pas sérieux? C'est ce petit-là, le même, là! Il m'en fait baver depuis hier, il est ici! Pourquoi tu l'as amené dans le cours ici? Ben, Paul, c'est ma job! Comment je pouvais savoir, moi? Il fallait absolument que je le place pour les travaux communautaires. Fait que je me suis dit aussi bien qu'il fasse dans ma cour. Tu le sais, Lucie, j'haïs ça quand tu ramènes la job à maison. Ben écoute, pendant qu'il est occupé à travailler dans le cours, nous, on pourrait s'occuper à autre chose. Ah, là, Lucie, ça va, là. Je peux te faire un massage, si tu veux? Non, mon dos. Justement, ça t'a fait du bien hier. Oui. Non, t'as les mains froides comme des popsicles. Ça va. Fais la fond, mon amour. Une autre fois, OK? Coudon, toi, c'est-tu moi qui t'allume? Ou ben non, c'est les abdominaux d'Edouard Cesarans, là, dans le cours? Mais voyons, mon gros matou. C'est toi. OK, Lucie, on a passé l'âge des petites vites. C'est assez, là. Je savais pas qu'il y avait un âge pour ça. Ouais. Allô? Oh, Francis, il m'arrive quelque chose de pas possible. Attends un petit peu, je me renoue en ligne, attends un peu. Comment ça marche? Renaud, appelez. Vas-y, Polo, Renaud, il est là. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je suis occupé. Hein. Les gars, vous devinerez jamais qui est dans ma cour présentement. Alex de Beaulieu. T'es pas sérieux? Il est venu te narguer jusque chez vous? Oui, il fait des travaux communautaires. De tous les gars que Lucie aurait pu ramener pour travailler dans ma cour, il fallait qu'elle choisisse ce petit sacrement-là. Ah, le monde est petit, hein? Ça sent le complot. On dirait que les planètes convergent pour me faire vivre un calvaire. Ah, ben, ouais, tant qu'à faire, moi, si j'étais toi, j'en profiterais. T'en profiterais? Ben ouais. Je suis là pour travailler. Je suis bien de mettre aux travaux forcés, Yann. Ben oui, comme les 12 travaux d'Astérix. Renaud, les 12 travaux d'Hercule. Ben, whatever, là. Fatigue la masse, puis la semaine prochaine, en finale, tu le clenches. Pas bête, ça. En plus, il est ici pour 3 jours. Ouais, je vous garantis qu'il va avoir de la misère à tenir sa raquette. Tu vas jouer malgré ce que t'as dit, la Kiro. Mais, hein? Alors, à partir de demain, je m'entraîne. Ouais, puis la semaine prochaine, je vais gagner mon match. Faut que le mal de dos, faut que la Kiro. OK, les gars, faut que je vous laisse. Bye. Bye. Okay, okay. Oui, bye. Bye, Renaud. Bye, bye. Ben, t'avais raison, hein? Alex, là, pour les travaux communautaires, c'est une excellente idée. Chose, mon colonel? Laisse-moi voir. J'haïrais pas ça que tu laves la minivan. Puis, faudrait peut-être faire un peu de ménage dans le garage aussi. Je suis pas niaiseux, tu sais.
Je sais très bien qu'est-ce que t'essaies de faire. Ah ouais? Ouais. Tu veux te venger. Juste parce que t'es pas capable d'admettre que je t'ai battu hier. Tu m'as pas battu. Ah ouais? Non. Regarde, c'est de ma faute, moi, si tu passes les balles une seconde en retard. Si t'as de la misère à les rendre au mur, puis si t'es même plus capable de te pencher pour attacher tes running, parce que tu voudrais peut-être que je te laisse des chances, vieux débris. Vieux débris. Regarde, moi, à ta place, je laisserais faire le squash, puis je me mettrai au bingo. Ah ben, si, Paul. Là, t'as dépassé les bornes, le petit morveux. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Demander à ta femme qu'elle vienne te défendre? OK. OK, nous deux sur le terrain, tout de suite. Qu'on règle ça une fois pour toutes, envoyez. Ouais. OK. Les gars, on se rejoint là-bas. Alex? Paul? Et que ça va brasser! Et que ça va brasser! Au lieu, je vais y tomber dessus comme la foudre. Good, good, c'est bon, ça, la foudre! Ça va aller tellement vite, là, qu'il n'y aura pas le temps de crier à l'aide. Ah, c'est toi le meilleur, mon Polo, le meilleur! Ouais. Polo? Oh. Les petites pilules magiques, là. Tu sais que t'avais pas, Hans dit qu'il n'y a presque pas d'effet secondaire. Non, 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 prends ça plutôt. Hein, ouais. C'est ton plan de match. Oh. Demain, Alex Beaulieu ne se souviendra plus de son nom. Mais il va se rappeler du mien, par exemple. Paul Bilodeau? Tu veux-tu bien me dire ce qui te prend? J'ai pas le choix, faut que j'y règle son compte. Comment ça, t'as pas le choix? Bien sûr que t'as le choix. Hey, t'as-tu envie de te retrouver à l'hôpital juste pour un match de squash? Pour un championnat de club de la rive sud de Montréal? Maudit orgueil mâle. Il y a mon titre aussi qui est en jeu. Tu l'as gagné 11 ans de suite, ton titre, Paul. 11. Puis ça, personne peut te l'enlever. Tu te bats pourquoi, là? Hein? T'as absolument rien envié à Alex Beaulieu. OK, il est jeune et fringant, puis il a des beaux abdominaux, là. Bon. Puis après, hein? Toi, t'as une femme qui t'adore, deux merveilleux enfants, des bons amis, une bonne job, puis la santé. C'est pas si simple. Oui, c'est simple. On va t'aimer autant si t'arrêtes ces folies-là tout de suite, tu sais. Écoute, Polo, là... Tu fais ce que tu veux, hein? C'est ta décision. Puis je vais te soutenir. Même si tu prends la mauvaise. La finale commence. Serrez-vous la main. Oui. T'as-tu mis une gaine orthopédique en dessous de ton t-shirt? Alex, je te concède la victoire. Oh! Ouais. Il y a juste les grands athlètes qui savent quand se retirer. Au sommet de leur gloire. Félicitations. Oh, Pépé, il fait dans ses culottes, c'est ça? Puis il y a Mémé qui a peur que son Pépé se fasse des petits bobos, c'est ça, hein? Laisse faire, ça t'en sortirait, Polo. Ah ouais, Christine volée! T'as été formidable.
pense que les enfants et la petite gardienne dorment. Des voisins, voyons. Il me semblait qu'on avait passé l'âge des petites vites. Il y a un âge pour ça? Je pense que c'était mon dernier tournoi. Il est temps que je passe à autre chose, hein? Attends, attends là-bas. Ton dos, ça va? Oui, mon dos va très, très bien, oui. Champion. Oh.